1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Apple. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. iPod. Bon, en fait, Jean-Phi, c'est pas possible, Jean-Phi, parce que c'est un prénom, donc voilà, désormais tu t'appelleras le Belge. C'est pas grave, c'est, tu voilà. Peux parler, toi. Ah, j'aime bien ton t-shirt. Ouais, t'as vu. Deutschland. Jawohl, Arzo. J'ai mis, j'amène le bon, le Martien est enceinte, définitivement. C'est le mariage, il a pris du poids. Je suis une grossesse nerveuse. Est-ce que vous t'inquiète voulez... pas, quand il y aura la vraie grossesse, juste après, tu... Tais-toi, je filme. J'ai même pas le droit de parler d'être à la caméra. Je suis MDA. Hein ? Est-ce que tu veux un grand angle ? Je veux avoir le grand angle de ma caméra dans mon sac. Donc on va passer aux présentations hein, de groupe. Hein. Alors bah, lui, je vais pas le présenter parce qu'il est sur toutes les vidéos. Hein. Allez, est avec nous, avec grâce à qui on va bouffer. Celle qu'on va voir maintenant. Orny. Ouais, à la base Ornithorynx, maintenant je t'ai renommé Ornicar parce que je trouve que ça rappelle mais où est donc Ornicar et à cause des voitures. Voilà. Au niveau du podcast, c'est voilà. Jour en jour. Rock Rock, sans qui nous serions sur les ponts. Enfin, quoi qu'encore, j'aurais pu squatter. Peut-être, hein. Oui. Voilà. en tout cas, cette nuit, on va dormir. Ouais, au moins une nuit. Le Martien, on l'a déjà vu 3 secondes avant. Hein. Vincent avec un T qui n'est pas venu avec sa grosse caméra, mais qui la portera demain. Ouais. Et puis le Belge là, bon ça va, c'est bon, on le connaît. Alors ils sont venus en repérage parce que comme on vient chez eux demain, voilà. Se sont dit comme ça je vais voir c'est quoi les énergumènes qui débarquent. Et puis voilà, si le site ne fonctionne pas, c'est de sa faute. Si c'est vrai, c'est ce qu'il a dit le mec du plugin là. Et puis maintenant la chose la plus importante, technicien qui veut venir, c'est le MacBook avec la vidéo. Qu'on va tous donc regarder maintenant. Hein. Demain, il y en a un qui double sa connexion à DSL. Ah, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour la vidéo? Attention, on y va. On va voir si le MacBook suit déjà. Vu qu'on a 4 bouteilles, je crois qu'on va la vidéo de. Ouais, des quelques jours qui viennent. C'est mal, je regarde ça. C'est pas bien. Ils conduisent toujours comme ça ici à Paris. Donc le programme du week-end, c'est visiter les Apple Store. Voilà, on va passer à table. Donc Rock a eu l'idée formidable de me dire que je pouvais laisser la caméra allumée pendant toute la. Surtout derrière moi, comme ça je serais pas sur la caméra. C'est ça, c'est quand je te le patron. Même si j'ai entendu. Parce que tu es plus grand, donc forcément tu prends une chaise plus petite. Pour ça, tu te mets à la hauteur de tout le monde. Non, je suis bien moi ici. Je peux filmer tout le monde. C'est la vidéo. Bon, je change de batterie d'ailleurs très rapidement. Alors petite note au poditeur qui a mis un commentaire sur le site. Oui, il y a bien un stabilisateur optique sur ma caméra. Mais quand je fais comme ça, ça stabilise beaucoup moins tout de suite. Voilà. Ça y est. C'est dit. Alors toi, hein, s'il te plaît. Hein. Je te le fais. Voilà. Bientôt le podcast comique. Bah c'est pas pratique que vous soyez de chaque côté de la table en fait. Hein, ouais, t'avais droit de mettre en dessous peut-être. Oui. On a filmé en dessous. Faut qu'on se mette en rang en fait. Non, pseudo laisse, t'es beaucoup trop sur la caméra, on change de côté. Ouais, voilà. Ah non, il y a Vertigo de l'autre côté. J'y passe, t'as tiré hein. Avec les t-shirts que cette famille est de jouer. Ouais, voilà, en plus. Ouais. Non, mais c'est pas le même, heureusement. Parce que... Non, c'est le truc qu'il y a. J'ai la tête de dégoût d'envie là sur le t-shirt. Non mais le t-shirt il est bien par contre. J'aime pas avoir des. Ouais, il faut faire l'espace et. Non, non, c'est bon, Moi je veux un iPhone et un AirPort. Au niveau mondial, à mon avis, c'est important. Il y a peut-être des chances que c'est pas forcément le produit de la même truc qui le diffuse, qui a les droits, donc je l'ai payé. Ça c'est très vrai. Bon, c'est l'image du grand disque. Ah oui, tout notre expert, mais bon, on n'est pas là. C'est pour ça que tu regardes de haut. Bah oui, ça dépend pas de vous. Salut, c'est moi qui ai le plafond si vous vous demandez. Attention, là. Bon, Alex, est-ce que tu pourrais filmer la chaise? Le Martien qui a diminué. J'ai l'air d'un nain là-dessus. Il est en train de se transformer en HP Troll là, mais il a commencé. HP Troll, c'est du bon gars. Il y a une chaise normale, je regarde 2-3 années. Je suis vraiment désolée. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a envoyé sur Alex. On a bien fait de la vidéo plus
Par contre, on n'aura pas plusieurs tracks. Vous m'uploaderez vos tracks à la fin. Vas-y, oui. C'est bon. Action. Bon, on va faire la prédiction hein, sous l'idée d'ailleurs. En fait, moi, je commence à me rendre compte que de plus en plus, j'applique les idées d'ailleurs, en fait. En fait, elle me dit l'idée tout bas. Ça fait 6 mois que je parle d'une nouvelle formule pour pom 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 pom. Ah, c'est la formule qui nous invite à bouffer. Donc, on va venir bouffer chez Alia toutes les semaines. Chez Ardisson, tu sais pas où est-ce que c'est pas possible. Exactement. On est au 81. Mais attendez, mon local s'appelle Club 81, en hommage au numéro de la rue, donc on va dire qu'on est au Club 81 et ça va tout à fait le cas. On est sur la 81ème pomme, c'est super facile à dire, en plus j'adore parce qu'il y a un 8 dedans. Il y a 8. Un 8, 8, 8. Pourquoi les Allemands ne disent pas. J'ai des voisins qui s'appellent Michel. On est pas allemands, mais on est belges. Les Belges, les Allemands, c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas appris à mettre le Club. Mac OS X, c'est pas Mac OS. Les Allemands disent ça. Ah, ils parlent pas de Mac OS X. C'est parce qu'on n'a pas appris à mettre la bouche en cul de poule. Bon, alors, par contre, mets pas ton doigt sur le micro. Pour Bruxello à l'imitation, ce sera pas une bonne idée. C'est un irlandais traduit en français. Oui, il y a un traduit là. J'ai pas vu comment tu dis, mais c'est vraiment toi qui conclut les phrases. Ouais. C'est à rien de. Enfin, ouais, mais une fois, je dis pas tant que ça. C'est une connerie par contre. Mais non, c'est un quartier qui s'appelle les Marolles qui est dans Bruxelles. C'est une espèce de plat. Après, les gens parlent comme ça. Après, bien évidemment, un parisien ça n'a pas d'accent, c'est bien connu. Un parisien ça n'a pas du tout d'accent. Attendez, moi je vais faire un truc délicieux. Une fois, j'ai regardé du porno en québécois. Oula! Je vous jure! Confession sur le canapé! C'est Paris dernière. Mais problème des Parisiens qui savent parler seulement parisien, c'est ça. Non mais c'est pas pour entendre. Porn Star Academy, c'est la star du porno. Vous avez sûrement dû entendre parler ce truc porno. Ah oui, je l'ai vu. Mais oui, j'ai tout regardé. Hop. Un hasard. Ta femme aura cette petite. C'est pour un copain. T'es même abonné, c'est ça. Moi, j'en avais parlé de deux trucs. Parmi d'aller interviewer des participants dans une émission de TF1 que je n'essaye pas. Non, mais t'en comptes pas. En plus, tu vois, tu te dis que tu regardes il y a certaines émissions de TF1. Je regarde TF1 dans les mains. Genre, il doit passer tard. Bon, une petite patate, des pâtes et une patate. Une patate. Et des quoi? Un peu nu, un peu con. Je sais bien comment ça s'appelle. Des pâtes. Des tagliatelles. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'hérésie. C'est une hérésie, ça. Madame la marquise. Bonsoir. Madame la marquise, ça va? Ça va très bien, merci. J'ai mon accessoire qu'Alia m'a. C'est Ivan Kilo. Je ne sais pas, c'était du tout. Voilà. C'est Ivan. C'est horrible. Il y a un mec qui s'appelle René qui a ouais, ça dit à Charleroi quand t'es dans une soirée, puis tu danses avec une fille, elle est jolie, tout d'un coup elle fait le soyons libres. Ouais, moi j'ai envie, hein. On va chez toi ou on va chez moi? Moi devant une GB. Ouais, bah, juste dans la piste. Elle commande une bière et après on y va. Hein. Ah. Mais voilà, c'est parti. Alors, c'est pas moi. Une coluche, quand un accident et une catastrophe. Attends, refais. Un peu plus haut, descends. Quelle est la différence entre un accident et une catastrophe? Nous ne savons pas. L'accident, c'est un quart de Bernois qui tombe dans le lac Léman. La catastrophe, c'est qu'ils savent tous nager. Eh ben. C'est la cacastrophe comme ils disent dans les trois frères. C'est moi qui sais. Les Français, c'est très bon. Alors, moi, ma préférée, c'est comment gagner beaucoup d'argent. C'est en achetant un Français au prix qu'il vaut, en le vendant au prix qu'il s'estime. Filme pas, j'ai du mal de les viewers. Il y a sûrement plein d'auditrices qui s'en demandent, mais c'est qui cette nouvelle voix aussi virile? C'est lui, monsieur une pomme d'il y a deux jours. C'est moi, monsieur une pomme, c'est la nuit dernière. Une pomme une fois, une pomme toujours. Est-ce que tu la goûtes au mieux que ça te goûte? On cherchait une âme. Toujours une pomme toujours. Vous êtes marié? Non. Vous êtes célibataire? Ça y est, il y a l'agence de matrimoniale. Hein? Pourquoi ça t'intéresse? Vous cherchez, non, moi j'ai. C'est plutôt classique comme. Agence matrimoniale chez Alexandre. Alex. Tu t'appelles vraiment Alex? Alex ou Alessandro? Alex. C'est Alexandre. Tu veux voir les papiers? Eh oh, tu veux voir les papiers? Tout le monde est à peu près d'accord sur ce qui va sortir de
Romain. Vas-y, rouille, moi. La raison sur pourquoi Apple ne fait pas sa keynote en France et à l'affront quand même. C'est clairement une on va la faire. Mais c'est à la fois un qui, un Napoléon. Non, mais... Moi, je dis, la grandeur. Apple est en bagarre avec le gouvernement français, certes, et pas très certes, le gouvernement français n'en a rien à faire pour ne retransmettre pas la keynote à l'Apple Expo. Steve, on aura ta peau. À part que, voilà, c'est la seule l'année dernière, il n'y avait pas de keynote non plus, il n'y avait pas la loi. Il n'y a pas eu une conférence le même jour depuis les États-Unis retransmise. C'est sûr. Mais ils vont, s'ils sortent de toute façon la voilà, vidéo, vidéo uniquement aux États-Unis, ça va être en France complètement. Moi je dis, le nouvel iPhone Nano, et encore, je ne suis même pas sûre qu'il sorte demain, je vois bien ce que c'est les mêmes dans quelques temps. Parce qu'à mon avis, demain, tout va tourner. Oh, surprise, one more thing. Alors, moi, je vais te dire, pas d'iPhone Nano. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de pubs dans Paris avec des Nano. Ça, c'est vrai. Et en plus, alors là, qui on parle tout le temps de localisation, les pubs, elles sont vachement localisées parce que l'album qu'on voit, Nadia en énorme et tout. Moi, je trouve que c'est trop injuste parce que l'éventail, il est beaucoup trop loin pour que je l'attrape. Ouais. Merde, j'ai plus rien à dire maintenant. Mais on ne passe pas Alexandre. Alex. Alex. C'est pas difficile. Alex. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui a une carte Visa d'acheter sur l'iPhone? Mais moi j'ai une réponse. Moi je sais. Je suis plus prêt. Mais quel est le pays dedans, c'est tout. Parce qu'il y a des codes dans les cartes Visa et certains, y a des, c'est comme les IP. C'est comme les IP en fait. Il y a des ranges de cartes Visa qui correspondent à des pays. Ça et donc, s'appelle IBAN. Non, ça n'a rien à voir. C'est ta banque. Non, mais ça n'a rien à voir avec la carte Visa. Pas la banque, c'est et donc, il a fait carte. Si tu as des numéros de la carte. American Express. Je connais que Visa. Bah, ce soir, j'essaye. Parce que moi, je me suis enregistré avec une adresse de France. Alors, c'est parce que. Non, parce que les 4 premiers chiffres de la. De c'est la quand même une idée de taré. Correspond à ta banque. Voilà. À ta banque. Mais donc il y a combien? Il y a 9. Il y a 9000 banques au monde. American Express, pas plus. 39,78, c'est la France, par exemple. Bah, il doit pas y avoir. Ah, au pays, quoi. Pas la banque. Là. Non, à la banque. Il m'a tout raconté. Bah, Visa et Mastercard, c'est les 4 premiers chiffres. 49,74, par exemple, Crédit Agricole. Non, c'est BNP. 42,78. Concrètement, tu t'es enregistré sur l'iTunes Music Store avec une adresse aux États-Unis. Ouais. Je voudrais qu'ils s'en foutent de l'adresse. Tu achètes. Ils s'en foutent de l'adresse. Tu achètes. Tu veux payer avec ta Visa. Ils refusent parce que c'est un. Voilà. Ok. Non mais. Ou alors. J'ai pas encore essayé, mais. En revanche, moi, je ne sais rien. Au moins, t'as toutes les vidéos gratuites. C'est tout gratuit. Ça marche pas non plus. Essayer, ça marche pas. Gâcher, hein. Même si tu te fais livrer à l'hôtel. Ça marche pas. Si tu te fais une carte bleue américaine avec une adresse en France, ça coince. Il vérifie le pays dans la Vérité. Je veux pas dire, mais une adresse de livraison pour la Tours Music Store, tu vas te faire livrer. Ça va. C'est temps de la La Visa. Vas-y, la caméra. Dans le bas je sais pas si c'est genre compte. C'est cher, surtout si c'est localisé que sur un seul pays. Est-ce qu'on peut couper la caméra un instant maintenant? Pourquoi tu vas dire un truc confidentiel? T'as une serviette. Attention, on passe dans la séquence porno. Moi, j'ai dit qu'il va y avoir une annonce de partenariat entre Sony et Apple, puisque Sony vient de sortir 2 nouvelles caméras HD cette semaine. Qui remplace plus ou moins l'ancienne gamme et je parle d'un partenariat aussi. Et ben ça tombe bien. De caméra Red qui fait des caméras qui a sorti une caméra HD superbe et donc je pense qu'il va y avoir un partenariat entre Red et il va y avoir un nouvel Final Cut Pro qui va sortir. Et ben ça tombe bien puisqu'on sera chez Sony jeudi matin. Parce que j'allais dire jeudi matin, il veut pas le monsieur alors. Si j'en voudrais mais quand j'aurais fini de filmer. Je pense qu'il va y avoir la bonne salade. Final Cut Pro vraiment pro. Attention, j'ai des armes. C'est grand ça. Et non, ça c'est vraiment, il y a de l'armurerie ici chez Alien. D'ailleurs, ça doit valoir cher, on va le ramener. Jeudi matin, il y a la conférence de presse de rentrée Sony. Hein. Et on y sera d'ailleurs. C'est là où ils présentent leurs deux nouvelles caméras, mais qui sont déjà sorties. Ouais, ils ont sorti les moins léaux. On ira les voir en vrai. Vous pensez que les MacBook Pro, ils vont pas évoluer avant janvier? Je pense pas, non.
Ça fait long quand même. Non, ils viennent de faire évoluer l'iMac. Non, mais ça, c'est un. Pensez pas qu'il va quand même avoir un iPod vidéo. Ah, si, l'autre, il lance la salade. Donc, je lui ai toujours dit que je vois pas l'intérêt. Et je répare mes erreurs. Regardez de la vidéo sur un petit écran. C'est voilà, donc c'est ça qu'il faut faire, les enfants. Le pire, c'est que moi aussi, je le fais. Quand je fais Apple, je le verrai, dans quel état. Non, mais moi, je l'ai en PSP. Vous avez jamais essayé de regarder sur un PSP en film? Ils les ont revendu. Moi, j'ai regardé des films sur un PSP. Il était dans un film quand t'achètes une PSP. Mais c'est pas que l'écran est trop petit, c'est que c'est chiant de le garder voilà, à la main. C'est pas c'est qu'il faut regarder, il faut tenir ça quoi. C'est non, si t'es allongé sur un lit, aussi par exemple dans un train, attends, c'est ça qui est chiant. C'est pas l'écran en fait, c'est le fait de porter la taille. Il faut garder le truc, il faut être assis, posé. Moi, souvent, j'ai une espèce d'idée à la con avec le truc qu'il faut tenir d'une main. Est-ce que. Et heureusement que la PSP elle est petite, imagine l'Arcos, t'as vu l'Arcos? Comment tu tiens ça? J'ai un pote qui en a un et il a revendu parce qu'il s'en est rendu compte qu'il ne s'en servait pas et qu'il fallait recompresser la vidéo. Ah, ouais. Ça me rappelle un certain truc, ça s'appelle iPod, la vidéo pour la mettre sur ton iPod vidéo. Bah, tu n'avais pas pensé à ça. C'est nul. S'il y a un iTunes Video Store, forcément il faut que ce soit du format, pas forcément du DVD, mais il faut pas que ce soit du format d'iPod. Sinon personne ne va payer 15€ pour avoir. Non, mais il y aura deux prix. Il y aura soit tu auras deux prix, soit tu auras deux formats. Mais attends, déjà 15€, ils vont pas mettre ça à 20€. 20€, c'est le DVD que t'achètes dans le commerce. Mais même 15€, oui, non, mais 15€, déjà, ça paraît cher. Ils font pas 15€, c'est une connerie. Donc c'est pas la qualité plus ou moins que tu peux donner à 15€, ça vaut pas la peine. C'est 15€, personne n'achète. Je sais que moi, j'y vais pas aller acheter un truc dans 15€. Regardez son écho, il va faire 4€. Une nouveauté en DVD, c'est le jeu avec le. Ouais, mais tu joues pas 1 heure, 2 heures dessus. Tu vas sur scène je me gâte pour 5€ de films super connus, ils sont sortis ça fait 1 an ou 2 ans. Ça, par contre, j'aimerais bien un vidéo store qui vende des classiques ou quoi. Parce que finalement, quand t'achètes des DVD. Celui-là, il est gratuit aussi. Ouais. C'est pratique parce que on va essayer les deux, je ferai un comparatif. Soit tu mets les mails, sur l'autre tu mets les mots. Je l'ai un peu test. Il faut un disque dur externe. Moi j'ai déjà acheté là, c'est bon. Soit pas accessible. Je vais mettre une belle icône Comcast. Non, 400 sur la douche. Des fichiers ou du client? Je vais une belle icône Comcast, tu vois. Tu veux pas nettoyer le client? Ça dépend de la gravité des fichiers. Ouais, ça c'était là. Tu veux avec un AE ou un VIRTUE. Ça fait combien de temps que dans ce truc là, le PowerBook virtual? Ça fait 4 ans que j'ai un PowerBook de c'est virtuel. Et celui-là est plus récent, celui-là a 1 an. Il y a virtuel, virtuel, desktop et desktop manager. Alors aussi ton clavier, il fait un peu comme ça quand même. C'est normal donc. Je vais pas inquiéter. Mais j'étais un peu inquiété au départ. Virtu desktop. Tu sais ce qu'il m'a fait moi? Desktop. Depuis quelques semaines, quand je mets les petits trucs. Ouais, ils ont piqué les derniers repas. Et Desktop Manager, ils utilisent le motion sensor pour passer d'un bureau à l'autre un jour. Normalement, ça, c'est vraiment. Non, mais parce que. C'est gadget. Du modèle, je change de bureau. Quelqu'un qui est sous PC, ça. C'est vrai que j'ai. Ouais, mais tu peux faire la même chose avec le rachat où tu bouges ton. Et ça fait du plaisir, ça pour les airs. Ça t'a bien aimé ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Eh bien, on a fait un joli tour de table sur ce qui va se passer demain. En fait, on n'a rien dit. Non, mais là, à l'instant là. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Bah rien, Stoff égal à lui-même, encore paumé son portefeuille. Non mais on l'a retrouvé, hein. Il est là. Oui, il a paumé 5 minutes. Là, par contre, Ça y est, il a paumé sa caméra. Non, voilà, elle est là. Bon, on va prendre le dernier métro alors. Ils sont déjà partis, nos amis, par contre. Allez, hein. Ouais. On a peut-être le dernier. Ouais. Normal. On n'est pas à la rue, quoi. Oui. Enfin, a priori, si on reste. Si on prend le métro avec Rock, on n'est pas à la rue, Vince et moi. Par contre, si on prend pas le métro, on est à la rue tous les trois. Ouais, moi je dis surtout que monsieur, il filme à rallonge pour nous infliger encore un film de 10 km demain.